Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre aventure sur Star Wars Jedi Fallen Order. Comme d'habitude, mettez en 2K 60 FPS évidemment, plongez-vous dans le noir, un petit casque ou des écouteurs, ou les deux, hein, si vraiment vous êtes, si vraiment vous voulez du bon son sa mère, vous mettez les deux, ça ne servira à rien. À part peut-être abîmer vos oreilles, mais vous pouvez quand même le faire. Et un petit truc à boire, à manger, c'est parti. On tourne directement sur la planète Zepho. Exactement là où nous en étions. Allez, on est de retour exactement là où nous nous étions arrêtés. C'est donc parti, on avait médité, il y avait quelque chose en haut. Et il y avait beaucoup de monde, fait chier. Voilà, un en moins. Voilà, deux en moins. Allez, hey, les gars, on vit qu'une fois. Au secours, pitié, aidez-moi. Allez. Oh, tiens, bien joué à toi. Clairement, t'étais monstrueux. Oh, ça s'est découpé très rapidement. Allez, scanne-moi ça. Il n'y a aucun souci, on a bientôt gagné un level. Donc, il y avait cet endroit. Il y avait cet endroit. Il y a beaucoup d'endroits là-bas. Ça craint peut-être un petit peu, si je peux me permettre. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, ça sent très bon, ça. Ressentons l'écho. Myriana. Eh ben voilà. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que c'est? Mais tu sors d'où, toi? Tu vas me désinguer. Ok. Les restes d'un villageois mort. C'est pas très cool pour le villageois, d'accord? On a une porte ici, mais il faut le pouvoir de repousse que je n'ai pas. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Hop, on va courir sur un mur, tout d'abord. On va revenir en arrière et on va faire cette grotte un petit peu plus tard. Parce qu'il y a une autre grotte juste avant. Et j'aimerais qu'on fasse en ordre, s'il vous plaît. Alors déjà, arbre de compétences. Arbre de compétences, régale-moi. On avait dit qu'on ira à gauche, évidemment. On fait tout en arbre, en chargeant. Très bien, on va pouvoir ralentir le temps bien plus longtemps. Et ça, c'est cool. C'est très très cool. Regardez-moi ça. Ah, bien. Bien, 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 bien. Faut juste que je reste vraiment appuyé sur R1 pour le coup. Très bien, on peut quitter en vrai. Vous savez quoi? On va prendre un petit steam. J'ai besoin de soins, Bélia. Voilà. Comme ça, ça évite qu'il repop. Parce que de toute façon, s'il repop, ce sera la même merde. Faudra les tuer, je vais perdre de la vie. Désolé. J'ai vu une mouche. Hey, c'était terrible. Bélia. Ah, 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 ah. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il y a, mon BD1? T'avais l'air... C'est ça là-haut, tu crois? Ah! Non, rien à faire. Ok. Emplacement marqué. Donc on reviendra quand on aura le pouvoir. Moi, je pense que c'est le pouvoir de repousse, tout simplement. Ou alors le pouvoir d'attraction. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Tiens, un vaisseau de transport quitte la base de l'Empire. Très bien. Je sais. Il transporte les artefacts Zepho sur Coruscant. Ça veut dire que... Que l'Empereur s'intéresse aux Zepho? Peut-être. Ok, ça serait ouf qu'on croise Dark Vador. A savoir qu'on a quand même croisé Obi-Wan. La joie a été blessée, mais il a eu un Stormtrooper. Ok, très bien. T'as appris ce qui est arrivé au commandant? Ouais, un Et malheureusement, c'est fermé. Très très bien. L'interconnecteur, on trouvera, hein, vous inquiétez pas, j'ai vu vos commentaires, vous êtes nombreux à dire tu peux changer au vaisseau ton sabre laser, donc on prendra le temps de le faire. Ou si on a réparé l'interconnecteur de BD1, on pourra le faire aussi. Donc cette zone, on sait que derrière, on va pouvoir y accéder à un moment dans le jeu. Voilà, peut-être plus tard en revenant ou autre. Là n'est pas le problème. Hop, petit saut. Très bien, on peut encore faire quelque chose là-haut. On a une autre grotte ici, bah, attendez, on va faire cette grotte. T'as de la chance. Ok. La vache, c'est un nouveau lui, hein. C'est un nouveau prototype. Scanne-moi ça. Très bien, mitrailleur lourd. On va encore passer un nouveau niveau, c'est incroyable. Ok, on a fait le tour. Direction cette petite grotte. Sortira pas vivant d'ici, Jedi. Pleure tant que tu veux, ça durera pas. Si, si, ça va durer. Ok. Allez, c'est sabré, ça dégage. Ok, il était très très chaud lui, hein. Il bloquait non-stop, c'était assez terrible. Très bien.
Nous voici encore dans un nouvel endroit. Putain, c'est gigantesque. Les planètes sont grandes en vrai. Je sais pas combien il y a de planètes en tout. Je dirais 6 minimum, à mon avis. À mon humble avis. On a quelque chose aussi ici. C'est incroyable tout ce qu'il y a. Un coffre. Je prends volontiers, s'il vous plaît. Reviens là. Let's go. T'as trouvé quelque chose, BD1? Ok, nouvelle poignée de sabre laser. Oh putain, j'ai hâte. J'ai hâte. Très bien. Hâte de voir la gueule de la poignée. J'ai hâte de pimp un maximum mon sabre laser. Okay, on va passer ici. Les planètes sont en grand casse-tête et j'ai pas oublié que j'avais vu une maison, hein, vous inquiétez pas. Ok, la suite c'est sûrement là-haut. Peut-être le nouveau pouvoir, hein. Ok. Très bien, on va ride un max. Très très bien. Ok, on a quelque chose. Une liane qui est un raccourci. Très bien. Je te vois en bas. Ah ! Oh non, c'est injuste. Oh la vache ! Let's go. Oh, c'est injuste. Okay. Un steam. Encore un autre. J'ai besoin d'un steam. C'est beaucoup mieux. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Paniquez pas. Ça sent pas très bon pour moi dans l'état actuel où je suis. Ok. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Conformément à la volonté de l'Empereur, nous avons envahi Zepho et redistribué sa population. La planète n'a révélé aucune donnée ni relique utile au projet Foreuse. Ces courants électromagnétiques ont rendu inutilisable la majorité de nos outils de forage. Pendant ce temps, de plus en plus de soldats sont victimes de la faune locale. Nous ne pourrons pas accomplir notre mission ici. Je suggère que nous abandonnions le projet en ne laissant qu'un avant-poste symbolique afin d'empêcher les pilleurs de s'emparer de nos technologies. Très bien. Le projet Foreuse, on en sait un petit peu plus. Éclairez-moi tout ça, s'il vous plaît. Très bien, qu'avons-nous ? On a une porte, c'est beau, j'adore les portes. Malheureusement inutile. Eh ben, on continue, pas de soucis là-dessus. C'était quoi, ça ? Ennemi en approche ! Jedi touché ! Je peux te faire, sans problème ! Allez ! Ça, c'est sabré. Tout le monde est mort, ça dégage. Bon ! Très embêtant ce qui se passe, let's go ! Et ben, c'est donc ça ma fin de Jedi. Incroyable. Mais c'est pas vrai. Non, tu fais exprès, frère. Avoue, tu fais exprès. Voilà. Merci. Ok. Ok, j'ai eu chaud. Ok. Wow! Ok. Ah, c'est pas embêtant. Oh putain. J'ai failli me faire dézinguer. Attends. Ça, faut que je réfléchisse, hein. Je suis un putain d'homme mort. Wow. Alors attends là, parce que là c'est problématique ça. Je vois pas. Comment je peux faire? Attendez. Ah, vache! J'ai esquivé derrière mon écran. C'est pas ouf, encore une mauvaise idée. Oh là là, je vois pas. Ok. Comment faire? Ah, ça reste effectivement bien longtemps. Hein. Vache. Ok. Je ne vois pas.
Je vous vois pas. Machine arrière. Là, on a quoi? Ouais, non. Vache. C'est problématique. Je vois pas du tout comment faire en fait. Oh, on a un coffre ici. Ok. Je vois pas du tout comment faire. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ouais. Non, ça va repartir, ça va repartir. Ok. Je pense qu'on a juste rien à faire. Oh! Oh shit! Ok! Ah ouais, mais attends, attends, attends. Non! Comment je rentre? Bah ouais, mais je suis cuit! Ah, mais je suis cuit! Donc il y a forcément une solution derrière. Très embêtant. Mais quelle peut... Non mais quelle peut être la solution? Attends, là je vois pas en vrai hein. Les amis, je vois pas du tout. Je vois pas du tout la solution. Oh là là, je vois pas du tout. Ah ok, j'ai trouvé je crois. Ben non, adieu. Oh là là, je vois pas, je vois pas du tout. Je vois pas du tout, j'ai beau tout faire. On peut pas s'accrocher là. Mais comment faire? Ouais, je vois pas hein. Je vois pas. Hein. On va réessayer une dernière fois un truc, mais je comprends pas. Ok, putain, sérieusement. L'Empire a retiré sa position. Sérieusement, bien joué la mécanique. D'accord. Merci. Honnêtement, bien joué de ouf la mécanique. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie. Mais ouais, mais j'ai pas cru en la force, les amis. J'ai pas cru en la force. Comment veux-tu y arriver sans croire en la force? T'es obligé de croire en la force. Et j'y ai pas cru, j'avoue, j'ai lâché la force. J'ai abandonné. Oh, c'est terrible. Ok, hein, vas-y, hein. Vas-y, hein. Ok, on va se l'aligner. J'ai un très gros problème avec... Voilà. Ennemi en approche. Je vais pas tout faire moi-même. Bougez! Liquidez-le! Allez! Viens te battre! Je prends la tête de la poursuite! Abattre! Entendu! Allez-y! Essaie d'éviter ça! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Bah ouais, mais c'est là que tu veux sortir tes grenades à fragmentation, C4, Semtex, et putain, t'as rien, quoi. T'es qu'un putain de Jedi. Ok, c'est pas évident. C'est pas évident, faut vraiment être prêt pour le coup. J'oublie les escaliers. Ouais, putain, c'est terrible. Allez, let's go, on se concentre. Mais non, vas-y, tu vas me faire ça à chaque fois, frère. Ça casse les couilles. Mouvement frappant. Y'a rien qui passe. Prends des tuyaux pour frappant.
Va falloir qu'on aille au contact. Ok. Le Jedi est là. Il est touché. On y est prêt. Finissez-en. Ok! Hey, tu vas mourir! Ok! Ok! C'est trop rapide! Ok. Tu peux m'aider, BD1? Bien sûr que tu peux m'aider. Putain, c'était chaud. Désolé, j'ai retenu ma respiration plus qu'autre chose. Tu peux pas me scanner ça, là, cette petite merde? Qui était bien trop forte que la normale, bien plus forte que la normale. Aïe 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 aïe. C'était grave chaud hein, en vrai. Hein. Ok. Vas-y, hein, régale-moi. Oh, il y avait quelque chose là-dedans. Nouvelle peinture pour le Mantis. Oh, attendez, parce que ça me plaît, ça en fait. Oh, il est trop stylé. Hop, je prends. Hein. Comme ça, les gens ils vont croire que je viens de l'Empire. Allez, let's go. Yes. Les phases de glisse, pas ouf. Ok. Oh non. Frère. Eh, je joue pas à Super Mario 64, hein. Je joue à Star Wars, bordel. Ok, let's go. T'entends, là, cette petite... J'ai quelque chose. Cette grotte, ça sent bon. Que passe-t-il? Pas un mot sur Cordova. L'Empire ignore sûrement qu'il est venu ici. Dans ce cas, nous avons l'avantage. Pour l'instant. Ok. Non. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, frérot. Ok. C'est vraiment bien varié entre les phases d'exploration. Ok. Là, j'ai fait un très beau counter. Encore une fois. GG ça. Allez. Allez, allez, allez. Il y a quelque chose à droite. On va ressentir la force là peut-être déjà. Intéressant. Je crois qu'on approche. Ok, mes couilles. Je pensais que j'allais débloquer quelque chose, mais pas du tout. Ok. Quelle belle planète. Ok. Ça, je peux toujours rien faire, malheureusement. Je pense... On peut pas passer. Mais ouais. Je pense que on va pas tarder à débloquer le pouvoir. On croise de plus en plus de portes qui ont besoin du pouvoir de la traction. Il y a une tempête droit devant. On dirait qu'elle a déréglé l'équipement de l'Empire. Je sens quelque chose qui m'appelle, au-delà de la tempête. Suis cet appel. Laisse la force aiguiser tes instincts. D'accord. Je vais essayer. Ok. Bon, on va méditer, on a utilisé pas mal de steam pour le coup. Une fois médité, on va pouvoir tabasser du bouquetin. Histoire de... Ah bah, on sait jamais, attends, et si je peux débloquer un petit level comme ça? Ah ouais, mais par contre, je pourrais pas remonter. Mm-hmm. Ok, on a forcément quelque chose par là, non? Si j'en crois la force. Ah, en voilà une autre. Elles sont peut-être reliées. Peut-être, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira, mon petit Cal. Ok. Quelqu'un là-dedans? Oh, bien joué. Voilà, c'est pas un bouquetin qui va me casser les couilles, hein, je te le dis. Hein. Peu importe ce que t'es, j'en ai rien à foutre. Ok, on a encore quelque chose ici. Cette porte. What a porte. À l'aide. Ok. Allez, dégage. Quoi?
HP, vraiment. Et vous êtes combien, les frères? Oh, j'ai plus de pouvoir. La force m'abandonne. Maintenant. Astim, envoie. Ok. Ok, let's go. Allez, descends de là. T'es le boss? T'es le boss des bouquetins? Descends, mon pote. Je vais venir te chercher, moi. On va se la donner. Allez, ça dégage. Ok. Scanne-moi ça. Nouvelle graine. Très bien. Elles sont plutôt jolies. Très, très bien. Bon, qui volage? Qu'avons-nous par ici? Une grotte. Je pense qu'on va bientôt avoir un nouveau pouvoir, vraiment. J'y crois comme Jaja pour le coup, là. Ça peut être que ça, à mon avis, qu'il y a au bout du tunnel. Y'a rien en dessous? Non. Donnez-moi mon pouvoir de l'attraction. Ok, on va passer là. Laisse la tête. Oh la vache. Ce serait dommage de mourir ici comme ça, hein. Traumatisme crânien. Le Jedi n'avait pas vu la pierre devant lui. Oh, what? J'avais jamais vu une telle tempête avant. Ouais, c'est incroyable. Ah oui. Ok. Ah, mais comment je fais là? Hein? Entre toi et moi? Comment je fais? La pousser? Comment je fais? Dis-moi des gains. Et ben voilà! Tout simplement en restant dessus! Je pense qu'il s'agit là du site Zepho le plus ancien que j'ai vu. En dépit de mes réserves, je ne peux chasser le sanctuaire de Bogano de mon esprit. Ces visions ont façonné le destin de toute une civilisation. Je veux comprendre pourquoi. Ok, je vais où là? Je vais au centre de la Terre ou quoi? D'où le projet Foreuse? Je suppose que l'Empire voulait... voulait descendre vraiment au centre de la Terre comme nous on est en train de le faire. C'est juste que l'Empire est un peu débile. Et ils savent pas que... les ascenseurs existent. Ok. Ah, vous voyez là, la boule là? Allez. C'est immense. Et les impériaux? Aucun signe d'eux ici. Et pour Cordova? Je sais pas ce que je suis censé trouver. Il est plutôt... excentrique. À qui le dis-tu? Très bien exploré. Il ne nous aurait pas conduit jusqu'ici pour s'amuser. Garde l'esprit ouvert. D'accord, ici y a rien. Ici il nous faut un pouvoir, donc de toute évidence, totalement inutile. À droite c'est fermé, tout droit on peut plus y aller, donc il n'y a plus qu'un chemin, c'est celui-ci. Allons explorer ce Est-ce combo. Est-ce que t'as vu ça? Ah, c'est un piège. Très bien, embêtant. Laisse-toi. Voilà. C'est encore la tempête là au centre de la Terre? Ok, va falloir croire au pouvoir de la force. Yes. D'accord. Ouais, c'est pas grave, hein. On va prendre Sarah toute la soirée avec la star. Oh. Attends, il y a juste à pas les toucher en fait. Ok. Let's go. Yo les gars. Oh.
bien joué. Ok. La vache, t'envoles pas comme ça. Oh, il est chaud. J'ai besoin de soins, BD1. Tu veux bien me soigner? Ok. Encore un autre problème, va falloir encore jouer avec des grosses boules. On a un coffre de l'autre côté. En tout cas, on a quelque chose activé. Je sens que toute la suite des événements va être très embêtante. Ok. Désolé, je suis... Ah là là, putain de merde. Arrête. Aïe. Ma vie est nulle. Arrête gros. C'est quoi ta main? T'as pas mangé ce matin ou quoi? Mais c'est quoi le délire? Il m'a désingué! Allez, go. Terrible. Terrible. Ah! On revient ici! Ok, les gars. Vous voulez jouer à ça? Très bien. Eh ben, écoutez... Oh non, mais c'est trop, là. Vous avez abusé. Vous avez abusé. Alors, on prend quoi? Quel peut effectuer une autre attaque puissante après une frappote? Et là, qu'est-ce qu'on a? En attaquant après une esquive rapide, Cal peut effectuer un coup de pied. Pas mal ça. Pas mal. J'utilise pas mal les esquives. Oh oui. Bon, ça fait pas beaucoup de damage, mais quand même. Très bien. D'accord. Donc l'arbre de la force est ici, l'arbre du sabre laser est là, et l'arbre de la survie c'est là. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, nous sommes repartis les amis, on se retrouve directement là où nous en étions. Ok. Cette fois-ci, je les ai désingués. Même si c'était pas spécialement le problème. Merde, je croyais que c'était une crevasse où on pouvait entrer dedans. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qui m'attend après déjà? Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. C'était un mec qui avait la dalle. Non, c'est trop... Arrête, arrête! Oh! J'ai besoin d'aide. Ok. Je suis désolé les gars, je suis tellement concentré, bordel. Oh, c'est terrible. Tout le monde est méchant avec moi les amis. Dites quelque chose, bordel. Merde. Je ne suis qu'une pauvre victime. Ok. Très bien. Très bien. Allez, régale-moi, pas de piège, hein, pas de truc foireux. Attends. Besoin d'un steam. Voilà. Ça fait du bien. Hors de question que je recommence ici, je préfère te le dire. Hein. Mon petit pote. Attends, quoi? Quoi, 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 quoi? Ah. Ok. J'ai eu très très peur, pour être honnête avec vous. J'ai eu très 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 peur. Ok, un raccourci. Non? Ok, ça laisse du vent. Ok. Dommage, dommage, ok, j'ai compris. J'ai compris, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ok. Ok, ok. On y va, pépère. Ok. C'est méga, méga tendu. Et on va s'arrêter là, mon pote. Parce que c'est hyper chaud. Ça paraît pas. Vraiment, ça paraît très simple, je vous l'assure. Mais ça l'est vraiment pas pour le coup. On va se reposer, évidemment. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite et la fin
de ce tombeau. Et ce tombeau sera votre tombeau. À très bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous tout le monde, ciao ciao.